Hello, salut les amis. Ça fait un bon bout de temps. C'est pour des raisons non indépendantes de ma volonté. Bon, je suis là ce soir pour vous parler de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui fait actuellement la fierté de l'Afrique. Ouais, je peux dire ça comme ça. À savoir Ténor, voilà, l'artiste camerounais Ténor. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de lui par rapport à son dernier single. Il y a un dernier single que j'ai vu aujourd'hui qui est sorti. Et dans ce single, il y a beaucoup de messages qui ont attiré mon attention. Voilà. Et je voudrais qu'on en parle. Mais d'abord, je vous laisse découvrir le single. Et après, le décryptage viendra. À tout de suite. Vu que les hommes c'est les dieux et qu'ils nous jugent. Passez mes plats là-bas. Ils veulent me juger. Moi je suis en train de amour. Bad life. On a accepté de vivre. Au départ moi aussi je voulais juste faire la musique. Mais la musique fait du business qui ne dépend pas de la musique. Je voulais juste faire m'amuser en empochant quelques billets. Mais parfois je regrette mon anonymat quand trop de flashier. Je reçois des messages des petits veulent devenir comme moi. Avant j'envoyais des messages à des grands coachs je veux devenir comme eux. Mes petits ce que tu vois ce n'est pas ce que je vis. Être un défi contre l'opinion c'est donc ça reste ma vie. Je n'ai que 20 piges donc imagine tout ce qui m'arrive de tragique. Peut me comprendre beaucoup me complique. Donc j'ai compris que je suis solo. Un offel sur le polo. L'argent, je suis colon, yeah. Faut que le talent, faut que la chance et faut que le culot. Les gens aiment le buzz, donc petit fait tout pour en avoir. Le succès dans des cris, c'est un menteur qui dit au revoir. Mais tout n'est qu'un choix, garde le calme, a dit Ponda. Ou des directs, des statuts, t'auras qu'un choix qui te laissera pas le choix. Pour les arranger, frère, faudrait mieux les déranger. Détruire des vies pour te ranger, être cannibale sans les manger. Cette vieille promesse qu'on va changer, cette peur quand on vit du danger. Cette vie de manque de congé, 60 ans, retraite, vie rangée, songer. Prendre l'amour qu'on te donne, prendre la meilleure ou la bonne. Je rêve, mais en réalité, petit, on arrête à l'école. Personne ne doit t'enlever le droit de réussir, c'est un devoir. Just preach, ça ira. T'en fais pas, t'en fais pas, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Donc, si t'échoues, lève-toi. Des chemins B, puis tout le monde va me pointer. Je dois jouer confiance à une fille. C'est ma mère, sa présence, c'est de la joie. Tout à l'enjeuné, c'est une arme dont je gaspille les balles au nom du père, du fils. Et déjà, chaque fois que papa me parle, je viens voir où la vie me mène. Le match est bon tant que l'on mène. J'ai eu moins de joie que de peine. Le contexte est plus important. Parfois, faut que ta bouche est pleine. Un garçon insulté de chien, c'est pas comme qui traitait de chienne. Un garçon insulté de chien. Ouais, et maintenant que nous avons écouté la chanson, nous avons bien vu. Regardons sans la musique. Vous voyez, au départ, il dit, je voudrais faire la musique, mais la musique fait du business qui ne dépend pas de la musique. Voilà. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique à tous ceux qui aspirent à être comme lui que ce qu'ils voient n'est pas forcément ce qu'il vit. Et qu'à 20 piges, en fait, à 20 piges, il a déjà cette sensation d'être dans les tourments, d'être, je sais pas, mais il explique un peu sa solitude. Voilà, sa solitude. Peu le comprennent, beaucoup le compliquent. Voilà, fuck la chance, fuck le talent, fuck, je sais pas. Mais le type, dans cette chanson, il nous montre carrément que dans le milieu du show business, actuellement, le talent à lui seul ne suffit pas. Comment je vais dire, les relations à elles seules aussi ne suffisent pas. Faudrait y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou bien faudrait y faire assez de sacrifices. Voilà. Libre à nous, libre à chacun d'entre nous d'interpréter comme il veut. Mais c'était moi ma petite remarque. Voilà, c'était ma petite remarque. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Voilà. Il y a beaucoup de messages comme ça. Vous-même prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter et vous verrez que ce jeune-là, quelque part, il nous fait comprendre, bon, il nous fait comprendre qu'il est dans un monde très, 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 très compliqué, où il est difficile de percer sans que tu ne donnes du tien. Voilà, c'est un peu ça.
Ok, j'espère que vous avez aimé et à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.